Si est-il un moment de vie qui donnerait le sourire à n'importe quel grand-père. Alors que le prince Charles était en vidéoconférence avec son fils Harry pour fêter son 36e anniversaire, le jeune Archie l'a appelé Pa, le diminutif de grand-pa, papy. Selon le Sun, le prince de Galles aurait été ravi de cette jolie surprise. Archie, qui a eu un an en mai 2020, s'est joint à ses parents pour un appel vidéo auquel participaient aussi la reine Elisabeth II et le prince Charles. L'occasion pour le prince Harry, expatrié aux États-Unis, de souffler ses bougies en famille. Selon une source, c'était un moment très agréable au cours duquel Harry a dit à ses proches à quel point il leur manquait. Meghan avait cuisiné un gâteau et Archie a fait rire tout le monde lorsqu'il a aidé Harry à souffler ses bougies. Le prince William s'est excusé de ne pouvoir être présent à un bonheur terni par l'absence du prince William et de Kate Middleton. Un proche révèle que William a adressé ses meilleurs vœux à Harry, il s'est excusé de ne pas être présent mais c'était un petit peu étrange que William et Kate ne participent pas. Le jour de l'anniversaire d'Harry, le couple princier s'est notamment rendu dans une agence pour l'emploi à Londres. Ils ont tout de même souhaité un joyeux anniversaire à Harry sur les réseaux sociaux et auraient discuté avec lui en privé. Des tensions existent entre William et Harry depuis plusieurs mois. Un fossé se serait creusé cet été lorsque la biographie Finding Freedom, sur la vie royale de Meghan et Harry, a été publiée. Dans ce livre autorisé par le couple, on découvre que le prince William aurait dit de Meghan Markle que si est-il une personne snob et condescendante. Il aurait également dit à son frère de bien apprendre à connaître Meghan avant d'aller plus loin avec elle, ce qui aurait vexé le prince Harry déjà bien amoureux de l'actrice américaine à l'époque.